J'adore couper musique comme ça d'un coup, je trouve ça rigolo. Eh bien salut tout le monde, c'est Vantalis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, c'est Ben Egg of Isaac Afterbirth. Donc après l'anniversaire, hein, alors l'anniversaire de qui, ça, l'histoire ne le dit pas. Et donc, je n'ai pas encore lancé le jeu, voilà, c'est chose faite. Alors j'espère que le son du jeu ne sera pas trop fort par rapport à ma voix. Ah que ce serait bello. Que le jeu est en train de se lancer, hein. Ah que ça arrive. Voilà. C'est quoi ce plein écran dégueulasse là? Off, on. Voilà, merci, s'il te plaît, j'en veux vrai. Voilà, on va mettre la musique. Voilà, il faut qu'on puisse l'entendre. Alors, on va faire une new run. Ouais, il manque un truc. Qu'est-ce qui peut me manquer avec Isaac là? Qu'est-ce que c'est qui est en bas à gauche? J'en sais foutrement rien. Bref, random. Judas. Je sais que j'ai qu'un cœur. Oh, ça va être une horreur. J'aime pas jouer. Oh, ok, c'est bon. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ah! Me tuez pas s'il vous plaît. Qu'est-ce? Il vient de se passer quoi là? J'ai unlocked le blue bomb. What? Bon bah oui, bah pourquoi pas. Évidemment c'était prévu. Allez, on essaie de tout casser, notamment les spawners. Ça peut devenir très problématique. Non mais, oh, s'il vous plaît, mourrez. Alors. Je me dis aussi qu'un jour, il faudrait que je pense à essayer de débloquer The Lost. Hop là. Technologie, c'est rigolo. Par contre, on a plus de dégâts. What the fuck is that shit? What the fuck? C'était quoi ça? What? Meurs? Ah, mon dieu. Faut vraiment que je m'y remette. Hein. Wow là 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 là. Non! Oh non! J'étais touché par une araignée, quoi, la honte. Non, s'il te plaît, non. Oh, quel... oh oui, bien sûr, bah, go le boss avec un demi-cœur, bien sûr. Oh, ça, c'est Widow. Non, je suis en train de me faire attaquer par un moucheron. C'est bon, toujours en vie. Oh, placenta! Ah, je dis pas non. Bon, on va pouvoir connaître notre vie maintenant. C'est bien ça. Ah, Burning Basement. Ah, merci pour le host, Astaroth. Allez. Salut à tous. Bah, en fait, t'as de la chance, t'es tout seul sur le chat. En fait, t'as de la chance. Je sais pas si on peut appeler ça de la chance. Hein. Ah, esquive. Allez, on va tout casser. Mon dieu, mais j'ai des clés, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'était pas un host, c'était un miskick. Bah écoute. Moi je suis pas contre un host, écoute. Même si j'avais jamais compris comment ça fonctionnait exactement. Ah non, 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 non. Meurs. J'ai pas envie de faire toucher par un caca. Voilà, c'est bon. On passait un peu long de sortir par un caca. Ouah, la salle de merde! Ouah, la salle de merde pour affronter Monstro! Ouah! Ah, l'horreur! C'est bon. Waouh!
Ouh. Oh, nice. Ah, moins nice. Non mais please, mais dis pas que je vais mourir sur... Wow. Wow, non, je vais mourir. Oh, 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 oh. Ouais, d'accord, donc en gros c'est pas très très utile, on est d'accord. Ah mon dieu, mais cette horreur. Puis c'est quoi ce... Pourquoi mon laser se dédouble au bout d'un moment là? What the fuck. Oh, une pièce. On va prendre toutes les pièces, ce serait bien si on pouvait aller au shop. Alors, pour information, j'ai fait que, allez, 3-4 runs de pièces sorties du DLC parce que j'ai pas pris le temps de jouer. Enfin, en tout cas pas ce jeu. Je suis encore à fond sur Tales of Zestiria. Bah... Ouais, c'est bon. Ah, une super pilule. Je la connais celle-là, c'est un truc cool. Ouais, range up, c'est super utile. Voilà. Merci. Ouais, c'est ça. Enfin, je cherche pas spécialement à rester dans l'intimité avec mes viewers, mais bon. J'avoue que connaître ses viewers, c'est quand même mieux que de voir débarquer d'un coup une armée, puis bah tu connais personne quoi. Puis même ça se sent sur la qualité du gameplay quoi. Le mec, s'il est en confiance avec les gens qui sont sur son stream, ça se verra parce qu'il sera décontracté et qu'il jouera mieux que s'il y a plein de monde mais qu'il connaît pas quoi. Ah bah super Envy. Allez. Ouais, 300-400 viewers, en plus le mec il peut pas lire quoi. Déjà que moi j'ai du mal quand il y a une vingtaine de personnes qui parlent un peu beaucoup. Genre sur mes streams Pokémon là, à l'époque, bah, ça arrive souvent que j'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passait dans le chat parce que les mecs ils discutaient entre eux et que bah... Enfin, il y en a qui me parlaient à moi, d'autres qui se parlaient entre eux, ce qui fait que bah... Je comprenais pas vraiment si on essayait de me parler ou pas, ce qui fait que bah je foutais des vols pour faire du temps. Meurs, s'il te plaît. Oui, je rajoute s'il te plaît parce que bon... Oh putain, c'est quoi ces caca radioactifs là? What? Elle est couchée. Mais voilà, merci. Voilà. Oh, je veux ça. Je sais pas ce que c'est, mais c'est l'air épique. Ok, les mecs, c'est bon, on est bien, on a un verre de lait avec nous. Ok, c'est bon. On va voir ce que s'il y a là. Oh. Ah, c'est tentant, mais j'ai qu'une seule clé. Ouais, mais je suis déjà allé à la salle d'item, donc bon. Speed up, c'est cool. Oh, et Wizard, on s'en fout. Hop, oh, punaise. Ah bah oui, forcément. Et vu que c'est sur un MMO, les mecs, bah, ils viennent, ils disent bonjour in-game, puis voilà, ça devient juste le bordel. Salut. Ah, esquive. Meurs. Fou. Quoi, c'est pas fini? Meurs. 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 Mais en fait, technologie, ça fait n'importe quoi, le trait rouge, là. J'ai l'impression qu'il se multiplie. Il fait des bébés. Oh mon dieu.
C'est quoi cette armée des ténèbres là? Tu sais que j'ai hésité à faire des lives sur Guild Wars en plus. Mais bon, je me suis rendu compte que ma connexion supportait déjà très très mal Guild Wars. Juste Guild Wars, hein. Je sais pas pourquoi, mais Guild Wars il supportait pas. Ce qui fait que je ne pourrais sans doute jamais faire de live dessus. Ou en tout cas tant que j'aurai pas la fibre. Mais meurs. Ouais mais je... Ok. Bon, je pense qu'on va pas, tenter le boss rush, hein. Ouais. Je pense que ça va pas être possible. Allez. Hop. Hammer, s'il te plaît. Voilà. À ton tour. Ah, d'accord. Le verre de lait, c'est comme le holy je sais plus quoi là, qui fait que, enfin le l'eau bénite, c'est comme l'eau bénite, j'ai oublié comment ça s'appelle en anglais, mais voilà. Allez, meurs. Mourez tous. C'est bon. Allez. Hop là. On va par là. Meurs. C'est bon. Wouah, mais toucher la technologie, c'est tellement une horreur. D'où tu lootes un mob, toi? Meurs. Voilà, c'est bon. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que ce problème, ça ne me le fait qu'avec Guild Wars. Hein. Ah merde. Ouh. Ouf. Allez, on va au shop. Steam sale. Ouais. Enfin, Steam sales. Style. Stem cell. Ça c'est cool. Ça c'est cool aussi, et puis on a plus d'argent, donc bah on va se faire voir. Voilà, on casse ça. Ils sont différents ceux-là, non? D'accord, oui, effectivement ils sont différents, puis je les aime pas trop. Allez go. Pipe, super. Un bon boss de merde. Oh non, je suis touché comme un caca. Oh la honte. Je déteste Pipe, hein, pour info. C'est bon. Le Book of Belian donne plus 100%. Da fuck. D'accord, il me semblait que le Book of Belia donnait 100% de chance d'avoir des Devil Deal ou des Angel Room. Pas grave. Allez, on va là. Mais meurs. Voilà. Ah, c'est cool, c'était super rentable comme ça, par contre. Bon, allez. Voilà. Missing page, on s'en moque. Ok, ça se passe bien. Ça, c'est cool, c'est pas mal. À niveau, niveau dégâts par contre c'est une catastrophe, hein. On est vraiment très très loin d'avoir des bons dégâts.
Oh là! Oh, oh ouais, attendez, voilà, il y en avait un là qui se planquait. Bon, pour le moment, j'ai envie de dire que tout se passe bien, mis à part qu'on a vraiment des stats dégueulasses. Bah, évidemment qu'il fonctionne bien ce jeu parce que bah, il est super sympa. Le petit pépin, par contre, c'est qu'il faut vraiment y jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup pour avoir du skill dessus, quoi. Parce qu'il faut connaître un peu le pattern des ennemis et pas trop être une quiche comme moi qui fonce sur les feux, par exemple. Mais tu connais pas Binding of Isaac? Tu devrais te pencher dessus, c'est une excellente licence. Je parle de licence parce qu'il y a quand même deux jeux Binding of Isaac qui existent maintenant. Enfin 4 si on prend en compte le fait que les DLC, bah... What? Là quand même semblé avoir déjà trouvé la salle secrète. Enfin la salle au trésor. Voilà. Oh... Cette run va devenir nawak. Autant de skill qu'une bûche. Bah ouais, moi aussi. Pas pour ça que je m'éclate pas sur le jeu. Non mais regardez ça, les machins sont trop tankies par rapport à moi quoi. Je suis pas de dégâts. Salut. Ouais, on va aller au shop, ça ne nous coûte rien. Et je garde au chaud le fait qu'il y avait des items intéressants. Enfin, je le marque dans un coin de ma tête, quoi. Voilà. Voilà. On va faire... Cave 2, ouais, on va faire le boss. Le problème c'est que là on fait vraiment plus de dégâts du tout. Hein. L'avantage c'est que là il va pas tirer, étant donné que c'est la version qui ne fait qu'invoquer. Alors ça faut les tuer par contre rapido parce qu'après ça devient l'enfer. Bah, il est bientôt mort, voilà. Non, hein, ça marche toujours pas. Ouais, en plus, il a voulu me filer un speedrun, l'enfoiré. Ouais bah non, globalement y'a rien qui m'intéresse là-dedans. Ah oui, Fallout 4. What the fuck. Allez meurs. Mais meurs. S'il te plaît, j'hésite à reset la run quand même parce que j'ai vraiment un combo dégueulasse. Oh. Oh non. Ramenez-moi là-bas. Oh. Ok, on se casse. What? Tu sais, quand je me fais toucher, je tire beaucoup plus vite. Je sais pas si je vais dire c'est rigolo ou c'est ridicule. Bon, si j'arrive pas à retourner dans la salle secrète, on reset la run. Et c'est parti pour un reset de run. Hop.
Non, parce qu'en vrai, j'ai pas beaucoup de dégâts et je voudrais faire un truc spécifique, mais bah sans dégâts, c'est impossible quoi. Parce qu'il paraîtrait que maintenant, quand on affronte un certain mob. Oh non, ça par contre, c'est. Oh, ok, d'accord, ça méritait un reset direct. Plus gros hitbox, plus sale au trésor pourri. Hop là, un bon gros cœur, c'est plaisir ça. Ouah, la salle de merde! Super! Curse of the Blind. Ah bah c'est génial! On saura même pas ce qu'on va prendre. Ouais, hop. J'ai l'impression que le jeu il a envie de bien troller aujourd'hui. Bah tu sais quoi, allez hop, zou, on fait ça. Allez, et on meurt, et on restart. Curse of the Unknown. Bon, encore ne pas avoir ma vie, ça me dérange pas. Mais ne pas avoir mes items à Basement One, non, je peux pas. Salut. Donc j'ai eu un item et sa description c'est hippette. Bon ben voilà, on a un item qui pète. Pas beaucoup apparemment. Wouah, je suis vraiment trop nul. Dommage, on n'aura pas pu voir ce qu'il fait exactement. Curse of the Blind, alors ça c'est non, j'ai dit. Curse of the Lost, ça va. Enfin ça va. Je suis pas pressé quoi. La classe item qui pète barrière. Je crois que ça c'est un champion donc faut pas qu'il me touche. En fait. Ouais, effectivement c'est un champion. Pour information, les champions donc sont ceux qui ont des couleurs spécifiques par rapport aux autres. Et en fait quand ils me touchent, ils enlèvent pas un demi-cœur, ils enlèvent un cœur. Allô ? Voilà. Alors là ici il y a un rocher spécial qu'il faut que je pète avec une bombe. Donc j'espère que j'ai trouvé une bombe. Eh ben aujourd'hui c'est la journée du paix hein, visiblement. Journée de la paix, MDR. Ah, les bombes à tête chercheuse. Hop, tête chercheuse. Allez. Le cup, hein. J'ai ma chance qu'augmenter, c'est cool. Visiblement pas assez pour que ce soit indiqué, mais... Oh, la salle cancer. S'il te plaît, voilà. Ah, j'ai vu qu'il y avait un rocher teinté là-haut. Enfin, un rocher teinté, un rocher avec une croix. On récupère la clé, qui sont très importantes pour la suite. Ça éclate les bombes, exactement. Moi j'aime beaucoup. J'aime quand ça pète. Voilà. Waouh mon dieu, mais vous êtes combien? L'armée de topiqueurs quoi. C'est bon, il est mort. Mourez tous. D'accord, je voulais vérifier si je pouvais aller dans le feu que les ennemis l'ont laissé et non. La réponse est juste... Ouah. Version champion de merde. Voilà.
The box, qu'est-ce qu'on va voir? Non, mes tirs sont censés faire nawak, mais j'ai pas l'impression. Ah oui, ça c'est cool. Bombe d'orki, ouais, bon, neutre. Écoute, on va continuer, on n'a rien à faire d'autre à basement. Ah ah! Ah, ça je prends. Les cœurs bleus, c'est des cœurs en fait qui ne sont pas réellement des cœurs. C'est-à-dire que là en fait, ces cœurs bleus, une fois. C'est déchiré par balle, voilà, on va dire ça. C'est-à-dire que quand, quand ils pètent, bah voilà, c'est ils pètent quoi. Alors que quand j'ai un cœur. Quand je reçois un réceptacle de cœur rouge, bah je peux mettre. Enfin, je peux récupérer de la vie avec les petits cœurs rouges. Qui sont lootés beaucoup plus souvent que les cœurs bleus. Les cœurs rouges aussi ont une influence sur l'apparition de certaines salles, mais... enfin, voilà. Le mieux, c'est avoir que des cœurs bleus. Mais bon, c'est extrêmement compliqué. Alors, rappel, hein, un ennemi comme ça qui me touche, c'est un cœur. Allez. Allez. Oh. Oh. Alors là, là je suis très très fan de ce qui est en train de se passer. En gros maintenant les bombes me soignent. C'est-à-dire que tout ce qui explose me soigne. Et vu qu'il y a des ennemis qui explosent dans les étages suivants. Ça va vite devenir rigolo. On va essayer de regarder si on voit pas un rocher avec une croix là-dessus. Tac, 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 tac. Non, je n'en vois pas. J'en vois pas du tout. Allez, on va dans la grosse salle là. What the fuck? What the fuck? Ok. Ouais, j'aimerais bien aller au shop. La Bible, c'est quand même un peu de la merde. En soi, il n'y a rien qui m'intéresse. Il n'y a rien qui m'intéresse. Mais ça aurait pu. Parce que la bougie bleue, je trouve que c'est moins intéressant que le Book of Belial, donc le bouquin que j'ai actuellement. Et la Bible, ouais, bah... Bah, c'est pas super pratique non plus. What the fuck? Il est tout petit. J'avais pas vu. What? Il était mignon celui-là, tiens. Je regrette presque de l'avoir tué. Presque. Ah, merde, s'il te plaît. Red. Kamikaze. Meurs. Ah, le cup. Cool. Un microbab, c'est ça. Quoi? 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 Voilà. Alors, fais attention avec ce mob à ne pas lui... enfin, aller en dessous de lui quand il saute. Ça peut être un peu stupide hein, de foncer sous ce mob. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah, de la merde. Donc, à plus. Et... What? Attendez, bougez pas. Non, mais non, je m'en fous. Mais en gros, il y avait un endroit, une bibliothèque, en fait. J'aurais pu y aller, mais... Je suis très content de mon Book of Belial. Ah. Oh. Allez. Il faut faire vague un peu compliquée, hein, comme d'habitude. Alors ces monstres sont les seuls qui, s'ils me touchent, m'enlèvent directement un PV. C'est à peine qu'ils soient champions ceux-là. J'ai jamais compris le délire. Pourquoi ces tas de viande font autant de dégâts? Voilà.
Là. Voilà, et voilà. Non, voilà. Merci. Donc oui, donc le principe de cette pièce, pardon, c'est... Il y a des vagues d'ennemis et je dois toutes les défoncer pour... pour pouvoir ressortir. Bon, nickel. Bah on aura eu un item de Guppy. Est-ce que c'est indiqué? Non. Bon, par contre, l'avantage, c'est que maintenant, on a 3 en... Ah oui, alors je t'explique les stats, pardon, Astaroth. Sauf que je vois pas ma souris. Bon, les bots, en fait, là où il y a 2. Tu vois, il y a marqué pause 2. Et je suis en dessous, donc il y a des dessins avec des trucs à côté, donc. Les bots, ça indique ma vitesse, donc j'ai 2 de vitesse, ce qui est basique. Quand on descend, donc les flèches, c'est la vitesse de tir, la cadence de tir. Donc là j'ai 1, c'est ridicule. En dégâts j'ai 3, c'est la petite épée, donc c'est ridicule. Ensuite l'arc, c'est ma portée, c'est-à-dire ma portée. Là vous attirez mes larmes. Donc ça va, c'est pas dégueulasse. Et ensuite, la petite balle, c'est la vitesse à laquelle vont mes balles. Et ensuite, on se rend compte qu'une des stats les plus avancées, c'est quand même la chance, chose qui normalement n'est... Enfin, c'est très rare. Hein. Ouais, j'ai l'impression d'être vachement brouillé quand j'ai expliqué. Ah, vas-y, empereur. On va garder ça. La salle du cancer. Ouais, là je claque le bouquin parce que YOLO. Hein. Ces grosses chauves-souris sont nouveaux comme mob, et, enfin c'est de nouveaux mobs et ils sont horribles quoi. Vas-y, pète-moi dessus, bam. Vas-y, pète-moi dessus, bam. Avec plaisir. Oh non. Oh là 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 là, oh la salle du cancer. Je me casse. Voilà. Oh là là. Oh, j'ai fait Nawak. Oh, j'ai perdu mon cœur bleu de manière tellement débile. Bon, je fais cette salle et je me TP au boss. Et hashtag YOLO, on verra ce que ça donne. Par contre, faut pas que je le fasse toucher. Ce serait vraiment très dommage. Voilà, fou. Allez, go. Alors c'est un mob, lui, on peut l'éclater très facilement. Il me rappelle beaucoup les Dodongo de Zelda Ocarina of Time. Il bouffe les bombes. Voilà. Et pas de bol. Bon, là, pour le coup, j'ai gagné de la cadence de tir. C'est tears up, c'est-à-dire cadence... Enfin, ouais, c'est l'arme, en fait. Donc tears up, c'est l'arme up, donc en gros bah je pleure plus vite, donc je tire des projectiles plus vite, parce que oui, dans ce jeu, tes projectiles, c'est des larmes. Enjoy. Mais l'histoire du jeu est super dark, hein, faut le savoir. D'ailleurs même les trailers du jeu sont super dark. What the fuck, non, je veux pas mourir sur une salle aussi pourrie. Ayez pitié. C'est un peu de la merde, hein.
Ah, je peux pas tarder à me transformer. Ah, trop tard. Malheureusement, j'ai tué trop vite. C'est pour ça que j'avais pété en fait. Bon, bon bah, j'ai récupéré un demi-cœur, je suis content. C'était quoi comme carte ça? The Fool, oui, on s'en fout. Quoique. On va voir, on va voir. Ah, oh. Mourez tous. Merde. Oui, c'est vrai que je peux me soigner comme ça, mon fait. J'avais oublié. Au revoir. Je... Au revoir. Très chaud comme ça. En haut on a quoi? Déjà fait avec un Gedman. Ouais, à la limite, je pense qu'on va prendre un Gedman. Voilà. Non, c'est pas The Fool que je veux, c'est The Magician. Alors, toutes les cartes ont des effets différents. C'est... Alors, on parle... Attends. Ouais, des effets différents, donc oui. Donc chaque carte a un effet différent. Et en l'occurrence, donc The Magician fait que mes tirs sont à la tête chercheuse. Donc c'est cool. The Fool me téléporte au tout début du de l'étage. Bah voilà, c'est... Je viens de faire un truc qui était pas normal, j'ai réussi à péter le mob. Elephant Pose, hein. C'est d'ailleurs, pourquoi j'ai pas la voix? Voilà. Oh non. Ouais. Look up. J'ai jamais eu autant de chance dans ce jeu quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin par chance, je veux dire la stat chance, je crois que j'ai jamais eu aussi élevé quoi. Eh, si ça continue comme ça, on va finir par l'avoir au niveau maximum. Hein. Oui, parce que ce jeu est un grand fan du plus t'as un truc, plus on va te le filer. Par exemple, t'as une vitesse très élevée, ben on va te rendre encore plus rapide. Genre, t'as beaucoup de dommages, ben on va te rendre encore plus craqué. T'as beaucoup de vie, et ben on va t'enfiler encore plus. Même s'il y a un nombre de PV maximum hein, dans ce jeu. Ce qui est très dommage parce que dans l'ancien il n'y avait pas ce problème là. Une fissure dans le... Oui mais c'est pour la décoration, t'inquiète pas. Enfin ça a toujours été pour la décoration jusque maintenant, remarque depuis le DLC je sais pas. S'il faut il y a vraiment un truc derrière. Ah oui vas-y pète. Ça dit je crains plus les trolls bombes c'est vrai. Une seule où je claque mon item. Ah oui, alors j'ai oublié de dire l'item que j'ai là, le bouquin qui est en haut à gauche. Et donc je suis beaucoup, oh, voire même beaucoup trop. C'est oh, quel crétin. Aïe aïe aïe, oh non, putain. C'est le Book of Belial en fait, il me rajoute beaucoup de dégâts. What the fuck? Quoi? Ouah, mais tire ce qu'il faut en awak. Oh, attendez, cette salle m'intéresse. Oh, c'est rigolo. Aïe, 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 aïe. Ouais, on prend ça. Oh, mais stop de me faire toucher comme une quiche. Mon problème actuellement en fait c'est que mon personnage est lent. Très lent même.
Et que je suis un peu con aussi. C'est vrai que ça aide pas. Je serais pas contre un petit speed up. Ou d'ailleurs un gros, hein. Je serais bien même un gros. Ouais, bah on a 15 pièces, donc on va aller au shop. Ah, un nouvel item. Ah, c'est... ok. En gros, maintenant, j'aurai le choix entre deux items au, quand j'aurai battu un boss. Au lieu d'en avoir un imposé, j'aurai le choix entre deux et je pourrai en choisir qu'un. Oh oui, mais vous... Oh oui, vous pouvez me rendre full vie, vous. Oh, je vous aime. Oh, elle est bien, cette salle. J'aime Pyromaniac. Pour information, normalement, ces mobs infligent un de dégâts. Hein. Enfin, un cœur complet de dégâts. Hein. Pas un demi-cœur. Un cœur. Dégage, salopard. Crève. Bon, bah on peut dire au revoir à tous mes espoirs de d'Angel Room. Parce qu'il faut dire qu'en fait, j'espère... Enfin, je voulais voir l'Angel Room parce qu'il m'a semblé comprendre que le boss final, donc Mega Satan, était devenu complètement OP. Le problème, c'est qu'on peut le voir que si on a... Attendez, vous êtes sérieux? Attends, viens là. Non, il faudrait un ami. Voilà. Voilà, nickel. Wow, putain, mon perso est devenu incontrôlable. Ah, voilà, c'est rapide. Et donc là, on fait beaucoup plus de dégâts. Je peux montrer, là, on a 3-5 de dégâts au lieu de 3. Oh là là, bah forcément, je suis tellement tout fait toucher comme une quiche que bah on propose rien, quoi. Normalement, il y a des chances d'avoir des Angel Room. Mais... Ah, ouais. Tiens, à moi le cœur. Bon, l'avantage c'est que bah justement on en a des cœurs là. Mais regardez-moi ce perso comment il se traîne quoi. J'ai du mal à avancer. Ayez pitié, achevez-moi. Et on n'a pas eu le choix tiens face au boss. Quant à l'item une fois qu'on l'a battu, je veux dire. Je comprends pas ce que j'ai eu comme... Ah, c'est ici que j'ai le choix, d'accord. On va prendre ça. On tire encore plus vite. Et ça, c'est cool. 3 en cadence de tir, c'est vraiment pas mal. Ouais, on va explorer à 100% la... l'étage, j'ai envie de dire que de toute façon... Faut, on n'est pas pressé, quoi. Mais bordel, qu'est-ce qui se déplace lentement? J'ai 1 de vitesse, non? Bah ouais, ça se sent, quoi. Oh. Et juste... Vous savez quoi? Même si je suis bien parti, hein. J'ai super envie de rush kit, là. Pas de rush kit, de reset. J'aime pas quand mon perso est lent, comme ça. Si je meurs, je recommence depuis le début. C'est-à-dire que j'ai les stats de base de chez base, hein. Allez, on va faire un truc très dangereux, les amis. Ah, cool. Oh, bah oui, ça c'est bien, ça. C'est très bien, même. Oui, je peux péter les champignons, c'est mon trip dans la vie. Un champignon, abattez-le. Donc oui, donc si je meurs, en fait, ce qui se passe, donc, c'est que je retourne au premier, enfin, je retourne au premier étage. Bah, en fait, je meurs tout simplement. C'est-à-dire que toute mon avancée a été, enfin, est perdue et bah évidemment, qui dit avancée dit aussi item, etc. Donc en gros, je recommence de zéro. Puisque c'est les items, hein, vraiment, qui me filent des stats, enfin, qui modifient mes stats. Enfin, il y a aussi les pilules, mais bah, dis-toi que les pilules aussi sont reset. Bref, je repars avec les stats à zéro au premier étage. C'est un bon vieux Die and Retry, tu sais, ce jeu. What the fuck? Ok, donc les noirs, quand tu les tues, ils lootent une araignée, ok. Oh! Oh, cool, 2 batteries. Oh, bah oui. Ah, 2 clés pour avoir une armée de bombes. C'est ça. C'est le principe, Astaroth. Oh, putain. Oh, la vache!
Oh la vache. Fou. Quoi, c'est pas fini? Mourez. Oh oh. Meurs, meurs. C'est bon. Eh ben c'est plutôt bien passé. Ah, un cœur noir. Salopard. Je voulais, qu'il explose à côté de moi. Si c'est pire que Meat Boy. Parce que sur Meat Boy tu vas mourir quoi, 3, 4, allez 5 fois si t'es rentré mauvais sur un niveau. Bon allez, on va dire une dizaine de fois à tout péter. Là ce jeu, dis-toi que j'ai plusieurs centaines d'heures dessus. Hein. Je vais être à peu près à 200 ou 300 heures dessus. Je suis très loin de le connaître assez, tu vois. Et je meurs encore tout le temps, tu vois. Et j'ai... Alors celui-ci, j'en suis qu'à 60, 70 heures dessus, mais je suis mort un paquet de fois dessus, quoi. Oh là là. Encore de la duck. Sérieux? Eh, on va rigoler, les amis. Hein. Notre perso, il va être tout bizarre. Wouhou. Wouhou. Non, mais attends, mais t'as combien de milliards de PV, toi? Merci. Alors, ce rocher avait une croix, hein. C'est pour ça que j'ai tapé dessus. Hein. Enfin, tapé. Pour ça que j'ai fait péter un truc dessus. Ici j'ai pas récupéré la clé parce que je peux pas trop. Non, par contre pour information c'est fait par le même créateur. Super Meat Boy c'est celui qui a fait Binding of Isaac premier du nom et Rebirth et Afterbirth. Et Wrath of the Lamb. Oh un cœur là-bas. Il n'attend que moi, je vais aller le récupérer quand je pourrai. Meurs. Meurs. Une pièce, allez j'ai 5 pièces, ça vaut un petit tour au shop. Non ça valait pas en fait. Ouais je vais acheter ça. Bah ça valait pas le coup. En fait en soi ça valait vraiment pas le coup. Ouais. Donc je suis à quel étage? Ouais, Depth One. Allez. Ah, ce boss. Tellement il est sympa. Allez. Angel Room. Oh bah enfin. Prior Card. Oh ouais, on va utiliser là. Histoire d'avoir un petit cœur en plus. Allez. Non oui, je suis en train de défoncer un ange problème. Oh là là, quel quiche. Voilà. Cool. Bon, bah, on continue. Est-ce que j'ai trouvé le... Non, j'ai pas trouvé le l'item room. Donc oui, ces anges sont très importants. Non pas parce qu'ils font de la télé-réalité, LOL, MDR. Mais parce que, bah ils me permettent de looter un truc relativement intéressant qui est la petite clé, enfin le petit bout de clé qui me suit là.
Aïe 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 aïe. Pas taper. Pas taper, pas taper. Ah, il m'a tapé. Meurs, saloperie. Toi qui m'as touché en plus. Voilà, ouais. Ah, c'est relou ça. Oh, elle esquive. Oh non, mais s'il vous plaît, mais lâchez-moi quoi. Par pitié, lâchez-moi. Allez, dégage. Voilà, hop. Putain, mais regardez-moi ce personnage, comment il rame du cul, quoi. Oh. D'ailleurs, en plus, le jeu qui se fout de ma gueule, on va là. Évidemment, c'était pas le... Wow. Et vous savez quoi, j'hésite à reset, là. Non, vraiment, on a de bons dégâts... Enfin, on n'a pas de dégâts, des dégâts dégueulasses. On a une excellente luck, mais... Regarde... Putain, mais regardez comment on se traîne, quoi. Ah, c'est une apocalypse, quoi. Non, largeur, ça va pas, tête. Je perds grave de la vie, quoi. Allez, meurs. Merci. Ouais, hop, ça c'est quoi? The Sun et Strength. Je crois que Strength est plus intéressant. Voilà. Mais ce qui est dur en fait dans Binding of Isaac, bon déjà c'est de savoir gérer son, son déplacement. Mais aussi le pire, c'est de très loin je trouve, c'est le fait de devoir connaître le pattern de tous les ennemis du jeu, quoi. Voilà, heureusement que j'ai des super bombes. Non, bon allez, c'est parti pour un reset. Je suis désolé, mais là c'est catastrophe land, quoi. Allez, on va essayer de reset jusqu'à une salle au trésor pas trop dégueulasse. Histoire d'arrêter de perdre du temps. Oh, merci Nightbot de te réveiller. On commence plus à côté des item rooms maintenant. Oh, alors ça c'est hors de question. Ah voilà, ça y est enfin. Rotten Baby. C'est de la merde hein. Moi j'aime pas Rotten Baby. J'aimerais bien tomber sur un truc fun. Oh oui, d'accord, ok. Allez, à plus. Allez. Oh, c'est quoi ça? Eh bon, on va commencer avec ça, écoutez. Aucune idée de ce que c'est que ce truc qui me suit là. Après, on va tenter un des nouveaux challenges aussi. Attendez, par contre, je fais une pause moi. Oui, une pub. Bien sûr. En fait, ce coffre il sert à rien. Oui, alors quand les portes sont ouvertes et qu'il y a un ennemi dans la salle, si on quitte la salle, l'ennemi dépop. Ouais, bah vous savez quoi, en fait, on va arrêter, on va arrêter. Voilà, donc on fait une pause maintenant, et ensuite on fera les challenges, on testera les nouveaux challenges. Par contre, normalement il me reste encore The Purist et... Et c'est tout ? Ah bah il me reste juste de Purist à faire. Tu vois, c'est bizarre, pourtant il est facile. C'est quoi XXXXL? Aucune idée. Bon bref, on fait une petite pause maintenant. Et on se retrouve donc dans quelques minutes.
Pourquoi la musique elle a bouclé? Moi j'en veux une autre. J'en veux une autre s'il te plaît. Ah bah quand même. Voilà. Enfin, y'a le choix ici, quand même. Enfin, y'a le choix. Mais y'a pas quelques musiques quand même, hein. Y'en a 6. C'est pas mal. Mais bon, si ça suit pour les potes. Bon, et bien, re tout le monde. Pourquoi pas prendre le prochain. Bon, et vas-y, s'il te plaît, là. Saloper. Je vais te faire bouffer. Voilà. Allez. On va y aller. On va reprendre. On va tout casser. Hop là. Bon, on remet le son du jeu. Je remets le chat pour moi. Voilà. Bon. Je me dis aussi peut-être que je remets l'image. Ah, coucou Amdori, comment ça va? Voilà. Bon. Donc le challenge s'appelle XXXXXXL. Oh, attendez un instant. Hop, je reviens. Voilà, excusez-moi. Hop. Donc oui, bah ça m'a l'air d'être un gros basement one là. Donc je crois que ça va être ça le challenge, ça va être drôle. De gros étages. Hein? Plein de gros étages. Oh non, pas ces trucs là. Ça j'aime pas. C'est bon, c'est mort rapido. Là il va nous faire du mapping, mais genre vraiment vite, hein. Wheel of Fortune. Pour le moment j'ai pas de quoi. Enfin j'ai pas assez d'argent pour que ce soit rentable, donc je vais pas la poser. Oh là là, j'ai un chat qui me saute dessus, mais dégage. S'il te plaît, bah, installe-toi. Allez, dépêche-toi. Attends. Hop, défonce pas les. Voilà, file de mon casque. Allez. Enfin, pose-toi, fais quelque chose. Arrête, reste pas debout. Tu me stresses. Tu me perturbes, chaussette. Un méga Satan, ah ouais, genre la porte s'ouvre automatiquement ou comment ça se passe? Mais dégage, chaussette, bouge ton gros cul, mais s'il te plaît, mais ah s'il vous plaît, je vois plus l'écran, j'ai une grosse queue, mais oh, couche-toi, voilà, merci, voilà, ah bah c'est mieux, hein, voilà. Oh mon dieu, ce chat, hi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, voilà. Par contre, j'ai l'impression qu'on loot pas d'items. Est-ce qu'on est en hard? Ah non. Lâche-moi. Oui, ça c'est cool ça. Ouais. Là, il y a un coffre. Là, on va utiliser les bombes. Je le sens. Le couteau et le bouclier. Ah ouais. Je vais être sympa celui-là. Allez. Ah non mais c'est être horriblement long. Voilà. Wheel of Fortune, on met une pièce dedans. Ça ne donne rien. Meurs. Voilà. Oh tiens. Meurs. Alors si on les touche du bout de notre portée, on les défonce quand même. Mais c'est. Waouh, ça y est, on a enfin atteint un mur. Enfin, un mur, une extrémité. What the fuck. Ah, c'est vraiment grand. Et puis ça, c'est que Basement One. Tous les étages vont pas être aussi grands. Non, parce que là, pour rappel, donc on cherche au moins la... Bon, je présume qu'il n'y a pas de trésor room. Par trésor room, je veux dire un endroit où bah on peut récupérer un item... les portes dorées quoi. Ah là là. Ah cool.
Oh, Small Rock, je prends. Allez, de toute façon, on m'en fout des clés. Enfin, des bombes, pardon. Ben voilà. Cette salle de merde. Oh oui, je one-shot les mouches. Ouais. Ah, vous savez quoi, là, il manque juste un petit tears up, ce serait nickel. D'ailleurs, je me demande jusqu'où on doit aller là. Vu comment ça doit être super long, je pense qu'on doit s'arrêter à Eclipse. Flat Penny. Ouais, bah pourquoi pas, pour avoir plus de clés. Ok, bah j'ai pas d'item activable encore. Non, ah oui, mince, oui, non, c'est pas les mêmes. Voilà, Mouchland, et toi, tu vas péter par contre. C'est boum! Boum! Voilà. Allez, hop, on récupère les clés. Voilà, on récupère les cœurs bleus. Ah, s'il y a des items room, eh ben les gens, on va passer des heures sur ce challenge. Quand on aura un autre. Dagaz, super. Pour utiliser maintenant, mais je me dis peut-être que je vais trouver une idée de combo ultra pété. Je peux avoir une bombe s'il vous plaît? Ouais, nice. Nice. Very nice. Bah ici on va le faire péter alors. J'ai combien de luck là? Bah alors pourquoi j'ai que des coffres? Bon allez comprendre. Ici il y a ça à faire péter. Mon dieu mais c'est étage quoi. On va aller au shop, ça c'est clair. On l'a déjà croisé, d'accord. On va essayer de voir donc ce qu'il y a au shop, si on peut acheter des trucs, ce serait cool. Voilà. Ici il n'y a rien qui m'a l'air intéressant ou pertinent, ici pareil. Qu'est-ce qu'on a? Et le reste on s'en bat. Ouais si on s'en... Si on arrive à avoir deux pièces on achète, sinon tant pis. Non, dommage. Sinon j'aurais pas dit non à la bombe, à la limite. Amidori, tu sais jusqu'où faut aller avec ça sur ce challenge. Ouah. Ah y'a du monde là. Mourez tous. Ah merde. S'il te plaît. Ah zut. Eh ben j'ai mal calculé mon coup là pour le coup. Mal calculé mon coup pour le coup. Oui, bien sûr. Mais what, mais c'est quoi tous ces coffres que je loot là? Va falloir se calmer à un moment le jeu. Hein. Oups. Allez, on y va. Famille, super. Boss pour lequel cet item ne sert à rien. Je sais pas à quoi sert mon trinket. C'est mon trinket, mon familier. D'accord, il lâche des batteries de manière random.
Bah écoutez, on va descendre. Eh ben putain, ça c'était Basement 1 déjà. Ça ne bougeait pas. Basement 2, Cave 1, Cave 2, Depth 1, Depth 2. Ok, c'est jusqu'au cœur. Oh non, touché quoi. J'avais regardé la collection de cœurs que j'ai quand même. Ah oui, tiens, j'y ai. Que je suis une foule quand même des fois. Oh là 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 là. Mon dieu. Oh, genre ça va pas péter l'autre. Voilà. Bon, par contre, l'avantage c'est que niveau clé, on va être bon. Allez. Two of hearts. Pourquoi pas. Oh là là, mon dieu, est-ce que c'est long. Ah. Oui, it leaves mom hurt, appelle ça comme tu veux. Pas que j'oublie que je peux utiliser mon limon limon mille shape truc du chouette cool. Là et voilà. Ah ça c'est un truc cool, vous allez voir. Ouais voilà. Là. Ok, ici y a rien. Da fuck, pourquoi vous étiez pétrifié vous? Oh oh. En soi en fait ce truc est même plus utile que ce que j'ai actuellement. Mais bon. On va utiliser de suite, histoire de ne pas perdre de charge. Ok. Donc on monte. Ah le shop, on y va. Ça c'est clair. On va essayer de casser tous les feux histoire de ne pas avoir d'accident en sortant du shop. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ce truc ça a l'air trop cool, je veux. On va économiser. Donc dès que j'ai 15 pièces, ne pas oublier de revenir là. Je prends pas la peine de chercher les salles secrètes parce que j'ai la flemme. Parce que oui, Astaroth, il y a des salles secrètes. C'est-à-dire des salles qui ne sont pas indiquées sur la map. Et dont il faut faire le chemin soi-même, à coup de bombe. Non, on va pas. Allez. Voilà. Ah, lui en haut, c'est un. What the fuck? What the fuck? Pourquoi vous avez freeze? Je comprends. Je comprends que derrière ce qui se passe. Ok. Toujours rien à faire pour sauter. Il manque toujours 6 pièces. Je suis à combien de dégâts? Ça va, sinon niveau dégâts, je suis bien hein, pour le moment. Pour un Basement 2, je suis très bien même. Ok, une bombe. Ouais, ça, j'en ai rien à faire. Moi, c'est des pièces que je veux mettre. Allez, hop. De ce que c'est. Ah ah. Bam. Oh oh.
juste parce que c'est jouissif de tout péter. Allez, je crois que je mourrai. Et on va tuer ces invocateurs de mouches. Voilà. Alors les mouches noires ne peuvent pas me faire de dégâts. Hein. Je peux me coller à elles, elles ne me feront pas de dégâts. Ouais. Ok. C'est bon. Tout pété. Bam. Voilà, faut que j'arrête. Faut que je me concentre. Ah bah déjà, tous morts. Allez go. Oh là, pas lui. Je l'aime pas. En fait, il fait des failles spatio-temporelles et dégage. Et il me barre des trucs à la tronche en fait. Tant que c'est ça et que c'est pas sa petite boule, voilà celle-là là que j'aime pas. Qui spam, voilà, un très drôle. Bah oui, vas-y, spam encore plus, je t'en prie. Voilà, c'est bon. Oui, bon, prends. Ouais, il y a un champion dans le temps. Il va exploser. Non, c'est bon, il explose pas. Bah ça je prends. Et est-ce que je perds 2 coeurs pour avoir un max de coeurs noirs? Ouais, parce qu'après ça m'a sur des Devil Deal. Voilà, et donc ça c'est une salle que j'aime bien, hein, normalement. Mais qui a tendance à me proposer que de la merde en ce moment. Voilà. Non. Donc ouais, j'aimerais bien rester pour récupérer 15 pièces pour pouvoir aller acheter au shop le machin qui a l'air cool. Je vais parler. Voilà. T'es une gentille chatoune et arrête de me sortir tes griffes. Alors, bon, finalement, Two of Hearts ne sert plus à rien, je vais peut-être le virer. Alors que je saigne du bouton, bougez pas. Voilà, c'est celui-là. Raté. Voilà, c'est ça que je veux. Ouh, esquive. Mais regardez-moi ces étages à rallonge, quoi. Binding of Isaac, c'est un jeu trop cool. Voilà. Donc maintenant ils ont rajouté des petites salles avec des pièges comme ça, bon, pourquoi pas. Dans l'histoire même du jeu, je vois pas trop le rapport avec le reste, mais aïe 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 aïe, je me suis coincé comme un crétin. Merde. Ah, pour information, quand je perds un cœur noir, effectivement, ça fait des dégâts à tous les ennemis de la salle. Ce qui est pratique dans le cas échéant, mais bon. Nawak. Ah super, je suis devenu plus gros. Trop bien. Ou pas, hein, c'était l'ironie là. Parce qu'être plus gros, c'est dire que je suis plus facilement touchable, hein, puisque j'ai une plus grosse hitbox. Sinon c'est la galère juste pour 3 pièces quoi, on en parle.
va récupérer cette clé qui est facilement récupérable. T'as 20 minutes, on est qu'à basement 2. ouais. Voilà. Je me suis dit on va tenter une petite salle secrète là au calme, bah non. Arrgh. Chier. Ok, Isaac Fork, c'est de la merde. Wouhou. Je sais pas très bien comment j'ai réussi à esquiver ça, mais c'est ce qui soit arrivé, je présume. Ok. Ok. Tac, 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 tac. On peut aller dans la salle qui est en haut, donc on va le faire, on va pas s'en priver. On va récupérer ce coffre, bien sûr. Wouah, mais stop, me faire toucher comme une quiche. Ah, pin. Pin que j'ai piné bien évidemment. Hop là, bah ici il y a la salle secrète, c'est sûr. Il y a trop d'emplacements pour la salle secrète, je pense que je vais essayer d'arrêter de les chercher. Ouais, on pourrait essayer de trouver des pièces là-dedans. Pour rappel, on a une chance sur 100 de tomber sur un cœur bleu, donc bon, me dit. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Je suis seul à avoir l'impression de m'être fait un peu arnaquer. Bah alors, qu'est-ce qu'il fait? Attaque, il fait un truc. Ok, on va prendre ça, c'est mieux ça. La parésie, c'est mieux. Ah mon dieu. Allez, on avance. Ouais. Allez. Comme ça en passant rapido s'il vous plaît, je peux aller me faire voir. Allez, à plus. YOLO. Donc Caves One, c'est parti. What the fuck. Da fuck. C'est rigolo ça, je vois leur vie. D'accord. Donc ça c'est un nouvel item qui fait que maintenant je vois la barre de vie des ennemis. Pourquoi pas hein. Je trouve que ça fait un peu dégueulasse, mais bon c'est pas grave. What. Par contre les ennemis ils ont différents d'hommes. Hein. Meurs et meurs. Ok. Ok et ok. Alors là je suis en train de remplacer tous mes cœurs bleus par des cœurs noirs. En soi ça sert à rien donc je vais peut-être ne pas le faire.
Quoique j'aurais envie de dire, il y a tellement de salles que... Oh, le problème c'est qu'il y a beaucoup plus d'informations à traiter à l'écran quoi. Apparemment je suis 65 de dégâts. What the fuck? Pourquoi ils vivent dans différents dômes? Oh que oui. Oh que oui. Oh je vole. Ah je vole. Oh là là, mais ça a bien payé hein. Bon 26 clés ça va le faire hein. Ouf. Mon 400. Lol. En fait, j'ai l'impression que mon araignée fait des effets random à tout ce qui la touche. Oh là là. Si je pouvais arrêter d'être mauvais, ce serait cool. Allez. Meurs. Et meurs. Eh ben, ça a été plus que rentable. Ah oui, alors la rune pétro là que j'ai récupérée, elle me permet de... Olé, je l'ai pas vu toi. De randomiser un item à prendre au sol. Ah tiens, coucou Ban. Je suis en train d'essayer le challenge... très très porn XXXXXXL. Peut-être que j'oublie un X ou deux. Allez. Oh nice. La petite batterie. Voilà. Waouh. Ah, ça me fait 400. Je trouve ça super rigolo cet item là qui fait que je vois les vies des ennemis. Je sais pas du tout ce que c'est, hein. Je présume que c'est l'araignée mais... What the fuck. What the fuck. Attendez mais c'est quoi tous ces loups de cœur et tout. Et mais je comprends que... Et franchement je piche que dalle là ce qui se passe... Tu auras fini demain, ouais j'avoue. Allez s'il te plaît, que je te termine, il te reste un PV là. Meurs. Mais l'avantage c'est que bah il est pas très compliqué ce challenge hein. Parce qu'il y a tellement de salles à faire qu'on devient vite super OP. Hein. Ah zut, je fais de la merde. J'affiche pas tous les objets, bah non. C'est un moyen de récompenser ceux qui sont là depuis le début, puis pour les autres, bah... Bah, fallait être là depuis le début. Je suis un connard. Alors, Two of Clubs, ok. Non, bah après j'ai pas besoin d'acheter de... Hop là. Merde. Glass Cannon. Il paraît que c'est bouffé un nerf, c'est vrai. J'ai pas l'impression, mais bon.
quoi ça? Explosive blast. Oh. Oh les amis, je crois qu'on va beaucoup rigoler maintenant. Ouh, je sens que ça va être très drôle. Oh putain. Oh la vache. Je dois faire le boss rush. Mais non, je dois pas faire un boss rush. Ah putain, par contre ça change toutes les bombes. Allez. La prise, ouais c'est ça. Ça a tendance à beaucoup exploser. Hein. Ouah, de feu. Mais il est tout petit. What? Il a grossi. What? Et je comprends rien du tout à ce qui se passe. Et puis pourquoi ils frisent des fois les ennemis? Il doit vraiment y avoir des systèmes que j'ai que je comprends pas. Hein. Bah ça peut être que ça. Hein. Ah ah, je te fais des dégâts, meurs. What? Pourquoi j'ai plus de vie par contre? Ils sont passés où mes cœurs? Wow! C'est passé quoi là? J'avais pas fait gaffe. Est-ce que quelqu'un a vu ce qui est arrivé à mes cœurs? Pourquoi d'un coup j'ai tous mes cœurs noirs qui ont disparu? Même le cœur bleu, elle m'en restait quelques heures. Ah d'accord, d'accord Ban. Hein. What the fuck. S'il te plaît, je suis derrière toi. Non mais, bon, attaque-moi. On va pas gueuler au bug, ça va être normal, doit y avoir un trinket qui fait ça, ou un item, ou un truc. Une salle peut-être spéciale, ou... C'est pas à cause des bombes. Non, ce serait à cause des bombes si j'avais été touché par les bombes, mais là en l'occurrence, bah ça a pas été le cas. Non, non, mais juste les cœurs qui ont décidé de partir en vacances, écoutez, c'est les choses qui arrivent, on va pas s'énerver pour si peu, hein. Ah oui, effectivement, puis c'est mortel, hein. Je peux pas... D'accord. Je peux pas dormir, en fait. Je peux juste pas dormir parce que bah le jeu, il veut pas. Le jeu serait-il bugué? Aurais-je cassé le jeu? C'est probable. Allez. Il est où le boss? Ah oui, il était à droite. On termine les tâches, tant qu'à faire, on clean bien tout. Je comprends pas pourquoi ils ont des effets random comme ça. Je suis sûr que c'est l'item qui fait que j'ai des effets random qui a fait que j'ai perdu tous mes cœurs. C'est quand tu retires ton... Ouais mais non mais ça a aucun sens, Ban, d'accord. Bah du coup on va prendre ça.
Voilà, là on est bien, hein. J'aime beaucoup l'item, le trinket, enfin mon familier batterie là. Il est cool. Meurs. Voilà. Bon, bah oui, moi je dis oui. Par contre, vraiment, hein, c'est super long hein, comme challenge. Qu'est-ce que ça? Aucune idée de ce que c'est. Ah, cool. Ah. Eh, pourquoi le monsieur il a pas dit Ewaz? Et je joue sur la version glitchée du jeu, j'ai l'impression. Ah, cool. Allez, meurs. Bon. Voler, c'est cool. Voler, c'est cool. J'ai toujours pas compris pourquoi on se tapait des luck up random si quand on avait un peu plus de... Enfin, quand on récupérait des pièces. Voilà. Je fais la mâche. Bah, normalement, oui, ban. Enfin, j'ai eu bien une mise à jour aujourd'hui. De 3 MO. Après j'ai l'impression qu'elle a un peu foutu le bordel, mais bon, on le dira à personne. Ouch, traiteur. Ah, j'avais complètement oublié qu'il était capable de faire ça. Je serai pas contraint des mage hub, donc on va continuer à explorer. Oh là, c'est putain. Voilà. Ouh. Oh, salut toi. Il était mignon. Quand tu as donné des pièces après avoir battu Super Green. Comment ça explique-moi, Ban. What the fuck, pourquoi t'arrêtes ici? What the fuck? What the fuck? Ne bougez pas, il faut que je vérifie un truc. D'accord, donc l'araignée fait bien des effets random. Et moi je peux passer dessus, j'ai pas de problème. Ok. Bon, allez. Oh là là, je fais la wak. Je commence à avoir des crampes. Au pouce notamment. Qu'est-ce qu'il y a, chaussette? Oh allez, oh allez, oh, t'énerve pas là. Attendez, bougez pas, je crois que je vais pouvoir me débarrasser de chaussettes. Faut que j'y ouvre la porte. Ah vas-y. Oh, tu me brises le cœur, chaussette, mais. Vas-y, je t'en prie, casse-toi. Au revoir. Ben voilà, ça y est, j'ai plus de chaussettes. J'ai perdu ma chaussette. Hop. Voilà, excusez-moi. J'ai appuyé sur Start en m'asseyant. J'ai pas compris comment j'ai fait. Je vois pas le rapport entre le fait que je m'assois et le fait que... Hop, saloperie.
Là. Donc oui, Ban, c'est quoi le rapport entre Super Grid et le cup? Putain, mon perso, j'ai pas fait gaffe, mais il a l'air vénère. Oh, faut pas le faire chier. Bon, je peux avoir ma salle au trésor là, parce qu'en fait je suis en train de taper tout cet horrible étage juste pour ma salle au trésor. Si. What the fuck. Oh des. Wow, les cacas dorés ils sont massifs hein. Si tu dis ban, mais c'est quoi la logique, genre c'est quand je récupère tous les X pièces ou il y a une autre logique qui fait que j'ai des lock-up Ah, enfin, on progresse. Eh lol. Hors de question. Hop. Hop. Bah en soi en fait on peut passer par là. Et c'est ce qu'on va faire. Waouh, Nécropolis. On progresse les gens. Après, est-ce qu'on va rigoler en essayant le daily run? D'accord, merci Ban. Eh, il est petit! Il y avait un caca minuscule. Oh quel con. Pourtant je pensais que j'étais safe. Hein. Oh, par contre c'est cheaté le fait que je vois les barres de vie parce que pour les ennemis qui se rendent invisibles. Wow. Un tier up. Oh lol. Ouais, sans doute. Tu dois avoir raison, Bat. Allez. Mais ah. Voilà. Ouh, on y va. Da fuck. Da fuck. Oups. What the fuck?
J'ai rien capté. What the fuck? Ah non, on voit pas les barres de vie. Mais on voit quand ils prennent des dégâts. Lol. Merde. Bah écoutez, on va prendre... Ouais, on va faire ça. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Mais on va prendre ça aussi. Oh. Alors Lilith, je l'ai pas joué, donc je sais pas. Pour moi, la dernière fois que j'ai joué, tu vois, j'ai essayé qu'une seule fois, bah elle avait pas son item de barre d'espace, donc je sais pas du tout pourquoi elle a été, enfin comment elle a été nerfée. Et encore, la seule fois que j'ai joué, donc c'était bah j'ai lancé la partie, puis bah j'ai vu que c'était chiant, et puis je me suis cassé. Donc qu'est-ce qu'elle s'est pris comme nerf? Et pareil, Azazel s'est bouffé quoi comme nerf? Oh bah oui. Là logiquement on doit avoir de bons dégâts. Start s'il te plaît. Oui bah, les dégâts max bien sûr. Je sens que le jeu va devenir très très compliqué là. C'est cool là on comprend mieux le fonctionnement de Brimstone. Enfin, on voit la cadence de dégâts en fait. Brimstone? Bah, pas du tout un objet cheaté, hein, c'est un objet tout à fait normal. C'est un objet comme les autres, Brimstone. Il n'existe pardon, aucun objet cheaté dans Mining of Isaac. Sauf Brimstone, soyons honnêtes. Ah d'accord, ce machin balance déjà rien. Attendez, on peut jouer à Bomberman là. Pardon. Le 2 à la 4, waouh, super, tu parles d'un nerf. On parle bien du de l'item qui fait que les comment s'appelle, que les dégâts de tous les familiers sont multipliés par deux. Hein. Oh, je pense que le nerf entre guillemets était bon, évident et surtout nécessaire, hein, parce que bon. Et concernant Azazel, qu'est-ce qu'il s'est mangé le pauvre? Parce que si on a bien un qui mérite pas d'être nerfé, c'est ce pauvre Azazel. Enfin, c'est un petit peu le perso avec lequel tu découvres toutes les mécaniques de jeu, quoi. Oh non. Quelle main. C'est bon. C'est quoi ça? J'ai rien dit parce que j'étais choqué, il s'est passé... Il y avait pas un énorme truc là? Eh mais je vous jure, je piche que dalle à ce qui se passe là. What? Ok, non, mais attendez, on est d'accord, le jeu est complètement bugué là. Mais qu'est-ce que tu fous là toi? What? On est d'accord, le jeu il va pas bien là. Il a le cancer le jeu là. Il est en train de décéder. Vous êtes tous d'accord, vous êtes tous témoins, il a un problème. Ça a doublé le nombre de familles, pas les dégâts. Ouais bon, en gros ça a doublé les dégâts. Mais bon, comme dit, j'ai jamais pu le tester étant donné que bah, Lilith j'ai fait qu'une partie et, c'était quand c'était buggé parce qu'elle avait pas encore en fait. Putain, le jeu il a cancer du sida. Non, c'est comme ça qu'on fait un Brimstone. What the fuck?
Eh mais je capte vraiment que... vraiment, je capte que dalle à ce qui se passe dans cette partie. Non mais c'est abusant, j'ai l'impression d'être complètement con, mais il y a un truc qui m'échappe là, on est d'accord. Et c'est super perturbant là, ce nouveau Isaac. Bon, faut que j'arrête de foutre des boom partout aussi. Bon, primo parce que c'est un peu dangereux. D'accord. Ah merde, j'ai oublié ce détail. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui me... Ah, c'est le truc de centre que je récupère des villes guides. Oh, ta mère. Ouais, tout le monde a... Quoi? D'où il y a de la survivation, là? Oui, j'ai failli prendre des dégâts pour faire ça. Mais je voulais essayer. Alors, pour information, c'est la salle au trésor que je cherche. Hein. Ah oui, et puis le shop aussi. Si je pouvais trouver une map, ce serait cool. Cool, la magnette. Magnetic Tears. Lol. Est-ce que ça marche? Ah dommage, non. Two of spades. Hop. Bah si, ça fait des dégâts, hein, on l'a vu. Après c'est pas de dégâts énormes, je présume. Ah si je pouvais tomber sur le cancer, c'est cool. Passage, ouais, pourquoi pas. Ah, left hand, très rigolo. Écoutez, on va prendre left hand, je pense. Enfin, je pense. On prend left... Aïe, j'ai oublié. On prend left hand. Et, the world. Et, on va tenter d'espérer avoir le... 3 items de guppy. 3. Ouais, 3. Ouais. Et bon, on va espérer très fort. En même temps, j'ai envie de vous dire, vu la taille des étages, genre, ça va pas être très très compliqué d'y arriver. Hein. Allez. Non mais sérieux, c'est nawak quoi, ce run. Viens là. Voleur de pièces. Voilà. Tu peux laisser tomber les clés. Les items qui font la voix aussi. Voilà. Ah, je suis invisible. On va aller là, écoutez, ça va être rigolo. YOLO. Oui. Ouais. Bon, allez. On peut en faire plusieurs à la fois. Ok. Ah bah oui, si, je suis obligé là. C'est quoi le truc blanc là? Bah, enfin, c'est qu'on s'en fout, ça change rien. Pourquoi il n'y a qu'un seul... Non mais je vous jure, le jeu il est cassé hein.
Mais on est d'accord, le jeu il est totalement bugué. Je n'avais pas les items sur la gauche. Déjà c'est sur la droite normalement qu'ils apparaissent. Et écoutez, vu que vous me cassez les couilles pour ça. Voilà. Voilà. Comme ça vous les avez. Maintenant vous arrêtez de m'en parler. Soyez gentils. Voilà. Et voilà. Oui, venez par là. Moi je me suis dit, va savoir, sur un malentendu, peut-être que ça va faire un truc stylé, style plusieurs petits brimstone qui se suivent, tu sais, qui tirent en pointillés, ce serait rigolo. Reste des trucs en vie encore? Ouais. Ah, il en reste un. Meurs. What? Wow. Mon dieu, toute cette vie qu'a ce machin. Où tu en es? Bah, où est-ce que j'en suis? Ça se voit. What? Qu'est-ce que c'est, sale là? Well. Why not? On sait jamais, je suis pas assez pété. Attends, mais pourquoi il était en. Franchement, il y a un problème avec les hitbox hein, dans. Mais je crois qu'ils ont fait de la merde là avec leur dernier patch. Hein. Mais genre vraiment. Oh, je sais pas si je dois être mort de rire ou très attristé là par. Par ce patch. Ah, je préfère être tout petit. Je peux en faire des plus petits, ok, effectivement. Et niveau objet. Bah oui, mais enfin ça se voit quoi, j'ai envie de dire. Là j'ai des ailes, donc on sait que j'ai Fate. Puis j'ai envie de dire, au niveau des tirs ça se voit un petit peu. Puis avec le gros manette que j'ai sur la tête, on sait que j'ai un truc qui magnétise. Ensuite pareil, on peut se douter que j'ai le cube of meat. Hein, parce que je crois qu'il y a un truc qui tourne autour de moi. Puis on sait que j'ai un familier qui ressemble à une batterie, donc très certainement, voilà, fait office de batterie. Après pour le reste, on s'en fout vu que c'est des items qui n'interagissent pas. Si par rapport au one shot on peut se douter que je fais un truc qui augmente mes dégâts, mais voilà. En vrai y a pas besoin d'en voir plus quoi. Puis je trouve ça super pas esthétique de voir ça sur la droite quoi, je trouve ça même dégueulasse. Ouais cool, j'ai la clé. Bon ils sont où mes coffres là? Voilà s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Il file cursed. Ah bah là vous avez l'air con. Oh non, on m'est échappé. Je suis où là? Debs 2? Non bah on va. 52 minutes les gens. Ah merde, on est censé faire notre pause au fait. Ça c'est un super item, j'en souviens, voilà. J'ai piffé, ça a marché. Est-ce que je suis chanceux? RT si toi aussi tu crois que je suis chanceux. Fav, non pardon, cœur si toi aussi tu penses que je suis juste un PGM. What? Oh, un item de guppy. On va le garder. Je pense que ça peut être beaucoup plus rentable. De quoi? Bah oui, pour une nouvelle synergie, désolé, je me souviens pas de ce que j'ai dit qui était en rapport. Allez, ça bouge pas. Voilà, ça c'est fait. Euh...
Voilà, pourquoi j'ai pas plus de... De coffre quoi, pourtant j'ai de la chance normalement. Hein? Bah oui, j'ai 3 de chance. Tu es allé à Blue Bomb? Ouais, j'ai déjà battu une fois. Enfin, si tu parles de The Huff là. Enfin, The Machin rigolo. Rappelez-moi de sortir mes mouches aussi. Faut que j'y pense. Faut que j'aille voir Satan ou... moi je suis parti pour The Chest, hein, vu la quantité astronomique de clés que j'ai. Ah oui, la version de bombe dégueulasse. What the fuck? Pourquoi tu tires en bas? Ok. Ok. Oh putain, mais trop bon quoi. Atroce, immonde, horrible, dégueulasse. Oui, je joue noob. Bon, voilà. Cool, un cœur. Quoi, t'es sérieux, je suis déjà au boss? Tellement violent ce qui s'est passé sur la fin que j'ai... Quoi? Ah. Ça nous fait donc 2 items de Guppy, hein. Si je sais compter. On va continuer. Là. Meurs. Ouais, aide 2. Si j'arrive à devenir Guppy, on est d'accord, globalement la run est gagnée, déjà que là elle est très difficilement perdable. Yes. Ah cool, Pandora's Box. Là, je laisse le Rotten mythe ici parce que j'en ai vraiment pas besoin. Au contraire, mon objectif là serait plus d'essayer de perdre tous mes cœurs. Voilà, peut-être j'ai vraiment des dégâts effroyables. Lol, MDR, plus de mouches. Voilà. B.
gauche. Par contre, le dernier item, j'ai l'impression qu'il va pas vouloir sortir. Hein. Allez, j'ai failli faire un fail. Failli. J'ai pas fait, je me suis retenu. Très fort. Bon. What? What? Oh oh. Nope. Avec les nouveaux, ça dépend lesquels. Avec la nouvelle version de Pin que je déteste profondément, oui j'ai eu quelques difficultés, mais sinon avec les autres ennemis, grosso merdo, bah ça se passait comme ça. Hein. Voilà. Bon voilà, grosso merdo, ça s'est bien passé. On récupère le cœur bleu. Ah, les cœurs bleus, je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Et on avance, et ça fait plus d'une heure qu'on est sur cette run déjà, et on va faire une pause. Je dois... allez hop. Ok, on descend. Ah. Oh le massacre. J'ai vraiment très con. Voilà. Ben voilà. Ben voilà. C'est mieux comme ça. Toujours pareil, pareil, ok. C'est bien de s'en assurer. Donc ils ont toujours pas réparé le Krampus glitch. Ouais, par contre le décalage qui est entre toi et moi, multiban, est assez long. Donc m'en veux pas si elle mange, j'ai du mal à te répondre. Hein. C'est juste que j'aurais oublié de quoi j'aurais parlé si elle vient plus tôt. T'es pas obligé de générer plus de mouches avec le... Tammy's Head. Pas de... Oh, Demon Party. Allez, go. Ouais voilà. Ah.
Et voilà, God Hurts. Je sais pas du tout ce que j'ai débloqué. Donc c'est quoi le... quelle heure il est? 23h30, ouais, on a le temps de faire un... Speed c'est quoi? What? On a un certain temps. What the fuck? What the fuck? Super, je pensais qu'un super item de merde. Allez go. Mais c'est injouable. Mais c'est injouable. Mais je dois faire quoi? Je vais me faire toucher là. Mais c'est... Mais je suis tombé sur... Je suis juste sur le pied sur le bord possible. Non, pas la vitesse du jeu, la vitesse des ennemis est multipliée par deux. Oh putain. Et uniquement des ennemis, hein. Sinon après les bombes et le personnage reste à exactement la même vitesse. Non, c'est pas pareil du tout. Ah putain, j'ai pris des dégâts sur Larry comme juste. What? Oh, je peux rien faire. Attends, dégage! Dégage! De risque infini, mais non! Oh putain, c'est fun! Ok, on avance. On a 15 minutes, donc faut avancer. Ok, ça c'est un reset par contre. Ok, bon, ça aussi. Voilà. Ah non, s'il te plaît. Les mouches frustrées, coopératives. Bon, ça c'est un reset. putain. Bon, on va reset à la fin. Bah, je reconnais que c'est un challenge relativement chaud. Non, surtout pas ça. Eh, la pause. J'ai dit qu'on ferait une pause, les amis. De quoi faire une pause? Oh, bah voilà, ça c'est rigolo. Allez. Oh, la vache. Oh, le shot speed de ses ennemis, MDR. Ok. Mais tire. What the fuck? Oh putain, des araignées à turbo réaction. What the... Oh la vache.
Non. Pff. Surtout pas. Oula, oui, non. Vous pouvez essayer de starter avec un truc pas trop dégueulasse, non? Non plus. Quoi qu'en soit, Bobskurs, si ça aurait pu être un start correct. Non, The Peeper, c'est hors de question. Ah zut, j'aurais dû en profiter pour vérifier un truc. Pour voir si The Peeper aussi était amélioré niveau vitesse. Oh la vache. Bon, on va peut-être tenter un autre challenge. Ouais, on va tenter un autre challenge, écoutez. Tu me conseilles de faire quel... avec guillotine. Bah non, c'est de la merde. Tu me conseilles quel... pay to play. Ah putain la vache. Allez roule. Mais il est énorme ce l'autre challenge là. Alors, play to play, pay to play, ouais, il a l'air sympa. I roule. Oh putain, l'enfoiré. Il y a les. Comment s'appelle ? Il y a les salles de trésor au moins dessus ou quoi ? Du tout. Est-ce qu'il y a des salles secrètes? Ou est-ce que c'est comme The Purist par exemple? On a des stades de ouf. Puis on a tout notre temps. Ouais, la salle secrète, salle au trésor. Au trésor. Au trésor, salle au trésor. Avec des trésors dedans. Comme ceux de Kellogg. Mais avec de meilleurs trucs dedans. D'accord, il n'y a pas de seul trésor. Ce qui veut dire quand même que c'est un challenge relativement compliqué. Eh mais attendez, mais j'ai remarqué... Oh putain, j'étais super loin à la détente, mais regardez, je suis Link. J'ai l'épée, le bouclier et le boomerang. Putain, il m'aura fallu du temps pour remarquer. J'ai menta. Et je viens de remarquer que j'ai fait de la merde parce que c'est ici qu'il fallait que je fasse péter. Trou duc. Ah oui, super. Ah, il rude Zelda putain. Oui d'accord, ah bah. Ça fait un moment que j'ai compris mal hein. Reviens là. Trop du bois. Ouais. Puis en plus c'est censé être un truc positif hein, ça sent ton bruit. Je vais faire ma pause moi. Oui si si, il faut que je fasse ma pause les amis. Hop là, donc je vais vous passer de la musique le temps que je revienne. YOLO! I'm Link, bitches! Ok, un gros décalage. Le décalage vient de toi. Hein. Oh la vache! C'est abusé le Trinity Shield. Vas-y. Oh non, il m'a pas fait de bombe. Pas d'herbe. Nice.
Ouais, faut pas que j'oublie que j'ai le boomerang aussi. Si je peux celui tous les 100 fois, bah absolument pas. Je lui ai dit qu'il y a tes messages, Ban. Eh hey, lol. Oups. Best réaction ever, hein. Juste oups quoi. Ah, une batterie, super. Non mais sérieusement, j'ai réussi à me faire toucher par une merde. Oh là là, quel con. Ah, je vais mourir là. Oh la vache. Allez, c'est parti. Oh la vache. Pas du tout risqué. À quoi il sert le truc de gauche, Ban? T'as découvert toi? Eh, hey, bonjour à toi, Lulu 120 000. Et on va faire une petite pause, hein, par contre, les amis. Déconnez pas, faudrait pas que je me fasse une petite crise d'épilepsie. Donc dès que j'ai des infos sur le machin là. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin je sais ce que c'est, hein, j'ai déjà eu, mais j'ai pas du tout compris à quoi il servait, ni j'ai pas compris comment, enfin, ses déplacements. Ah mais j'ai l'échelle aussi, j'avais pas vu. J'ai l'échelle. Il double tes tirs, donc tu tires dedans. Qu'est-ce que tu racontes? Il double que dalle. Attends, hop. YOLO, je suis Link, bitches! Ça marche pas avec le couteau, ok. Je speed, c'est vrai que j'ai bouclier quoi. Et l'échelle, c'est vrai, faut pas oublier. YOLO! C'est génial. Ils se sont surpassés sur les challenges dans ce Isaac. Hein. T'as encore une bonne. J'ai réussi à me faire toucher quoi, lol. Voilà. Oh, c'est le truc comme ça. Crétin. Bah écoute, je préférais prendre la Satanic Bible. C'était un champion, MDR. Voilà. Stop, j'ai dit qu'on... Oh là là. Ça c'est cool.
Voilà. Allez, tant pis. Voilà. Allez, hop. Ok, tout le monde. Et on fait la pause. Voilà. Donc les amis, je reviens de suite. Bah, à tout à l'heure. Non, raté, je me suis foiré. Est-ce que je vais faire ça, 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 ça?
Eh ben oui, j'avais oublié de remettre mon micro. C'est des choses qui arrivent. Eh ben heureux. Voilà. Ouais, bah si, un petit HPE, je suis pas contre, surtout si on doit aller jusqu'à Mega Satan. Bon, allez. Bon, juste pour info, j'ai encore jamais débloqué le Trinity Shield aussi, faut le savoir. Voilà. Je l'ai Iron. Ah bah je te dis. Je te fais confiance. Comme ça arrête même les sous, ça arrête tous les projectiles, mais ce putain. Là y'a rien qui me fasse vraiment envie. Si ça à la limite. Oh fait chier. Ah oh, ça me fait chier que le couteau soit plus puissant. Enfin plus puissant, qui est une plus grosse priorité. Tant qu'à faire, on va aussi récupérer ça et puis Et puis on a pas assez d'argent. On est trop pauvre. Oulé, oulé, oulé. Ah. Hop là. Allez, on avance. C'est quoi le Daily Run aujourd'hui? D'ailleurs, question, si on a pas de connexion internet, on a quand même le Daily Run. YOLO. Et c'est passé. Pin x4. Voilà. Ah, c'est avec The Lost. Oh, super. Ça va être super fun. Counterfight, même si en théo, enfin d'habitude c'est un préféré. Timer, ouais. J'aime quand les ennemis viennent s'empaler sur moi. Oh là là. Ouais. Comment ça c'est pas mal. Voilà, c'est mieux. Donc mourir. Sérieux? On a quel Depths là? Depths 1. Oh, on pourrait skipper! On pourrait skipper et on aurait tellement moins, ce qui serait débile. Et il a fait prout. J'adore ce jeu. Ça fait prout tout le temps. J'ai pas récupéré mon. Hop. Quoi? Eh, hey, arnaque, le jeu il arnaque là. Non, je m'en fous. Allez, hop. Bah écoute, on va faire le boss. ouais. Fenawak, allez vas-y, perds toute ta vie. Non.
venez vous entraîner. C'est trop bien. Hop là. Voilà. Oh, il y a le chop. On y va. Avec 9 pièces, on va forcément avoir des trucs très intéressants. Oh, c'est quoi ce truc? C'est quoi le boom bleu? Non. Ce sera tout. En soi, non. Et à droite. Ok. Bon. Allez. On change d'étage. Bon, ça va être cool, je pense. Enfin, j'espère. Enfin, j'espère qu'on va pas se faire défoncer. Curse of the Blind. Bah, bien sûr. Ouais, ils crevaient tous. Allez, yolo. Allez, on se casse. Voilà, c'est bon. Ok, j'avais compris que tu parlais de ça, mais merci beaucoup, Ban, pour info. T'as eu tous les items, toi? Enfin, tous les nouveaux items? Enfin, tous les nouveaux items de base? Ah oui, c'est vrai, ça, voilà. Allez. Voilà. Quoi? J'ai mis coincé. Voilà. Pas touché par un caca, pas touché par un caca, pas touché par un caca, c'est bon. C'est cool ça, je reconnais, c'est j'ai pas cette thune. La tristesse d'un homme. Oh, la grosse tristesse d'un homme. Bah, mourrez tous, voilà. Mais sérieusement. Voilà. Bah, donne-moi des pièces. Bien sûr, des bombes. C'est ce que j'avais demandé. Hein. Ouais, je n'ose même pas imaginer si quelqu'un arrive ici avec des range dogs. Voilà. Putain, mais c'est quoi ce run avec des bombes de partout là? Bah écoutez, on va aller au shop. Ah! Et franchement, le HUD à droite, je vous jure que ça me perturbe énormément. Hein. Pfff, j'étais retracté. Monsieur l'arbitre. Ah ah! C'est de la bonne grosse merde. Bon, par contre, on s'arrête à la fin de cette run, les gens. Bah non, parce que sinon vous allez encore gueuler parce qu'il n'y a pas le HUD. ouais.
Voilà. Ouais, on farm maintenant. Pardon. Quoique, attendez, avant. Je vole pas. Je ne vole pas. Ok, pourquoi t'as pas pété toi? D'accord, il est juste extrêmement résistant. S'il te plaît, voilà. Allez go! Voilà. Nice. Polaroid. Voilà, hop. Puis j'ai envie du retage suivant. Oui, ce serait lui, il y aurait pas un rocher avec une croix. Non, bah allez, on se casse. Pas par un cœur pour un item. Ce serait débile. Et pour en plus me taper une vague d'ennemis. Pourquoi vous avez des. Pourquoi vous êtes shiny? Pourquoi ils sont shiny les machins? Oh, ça se tente ça. C'est ça. Bien sûr. Elle pue pas testeron. Ah quoi, et encore? Quoi? Mais s'il vous plaît quoi, Trinity Shield. Putain, le machin il sert à rien quoi. Oh, je fais de la merde. Voilà. J'ai touché par opération de Saint-Esprit. Yeah, virus. The virus. Poison tuche. Ouah, ta mère. Oh putain. Putain mais. Chier quoi. Voilà, c'était bien là, hein. Bien en face. Bon, sinon l'item que j'ai récupéré, là, celui qui est à droite, là, actuellement en haut à droite, c'est quoi? Salut. Sérieusement.
Sérieusement. Olé, non, dégage. Plus de vitesse, tiens, allez. Tu l'as jamais eu, ok. C'est de la merde. Ok, super. Bon bah je vais mourir. Allez. Voilà. Oh non, mais t'es sérieux? Ça va être chaud. Ouais, c'est infaisable en fait même. Bon bah il cleave avec deux cœurs quoi. Mais t'es sérieux là? Ouais, voilà. Allez, merci à vous d'avoir suivi ce live et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!